Bonjour. Alors nous sommes trois autour de la table pour parler de tout ce qui nous arrive depuis le début de cette année, mais particulièrement de trois sujets. Les trois sujets en question, c'est évidemment, ça ne vous a pas échappé, cette guerre au Moyen-Orient, qu'on a toutes les sauces sur toutes les chaînes en permanence, avec des experts qui viennent nous expliquer la vie en permanence. Le deuxième sujet, c'est qu'ici, à proximité, il y a aussi des fous de Dieu à Saint-Pierre-de-Colombier et qui sont en train d'essayer de construire leur basilique. Et évidemment, ça fait du remue-ménage. Et puis, le troisième sujet, eh ben, c'est un sujet qui te tient à cœur, Alain. Oui, on en avait parlé, disons, c'est la dette de l'État. Quelle est-elle? Faut-il vraiment la rembourser? Puisqu'on nous sert tout le temps que l'État est trop endetté. Ouais. Et qu'il va bien falloir rembourser. Voilà. Alors, le premier sujet, on va quand même un petit peu aborder ce qui se dit partout sur toutes les chaînes, et surtout cette intoxication permanente où on nous explique ce qu'il faut penser, parce qu'on nous explique ce qu'il faut penser sur ce conflit entre les Palestiniens et les Israéliens qui date de 1948, création de cet État d'Israël, et qui date de bien, bien avant, parce que, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y avait eu déjà des attentats terroristes fomentés par des gens qui étaient pro-Israël, hein, qui voulaient la création de l'État d'Israël. Bien avant, à partir de 1908, il y a déjà eu des attentats, des choses comme ça. Et alors, évidemment, la violence répondant à la violence, j'irais même jusqu'à dire le fascisme répondant au fascisme, on se retrouve avec une guerre larvée qui a des rebondissements sans arrêt. C'est-à-dire que, de toute façon, la posture autoritaire répond à la posture autoritaire. On a ça partout sur la planète, hein. C'est toujours été comme ça. Peut-être que le mot fasciste, vous allez le trouver trop gros, mais la posture autoritaire répond à la posture autoritaire. Et là, ce qu'on a, évidemment, je ne suis pas en train d'excuser le Hamas avec ce qu'il vient de faire, mais je n'excuse absolument pas non plus Israël avec ce qu'il est en train de faire avec la colonisation. Voilà. Quel est votre avis? Vous avez peut-être des choses à dire, là, je vous saoule. Nous étions tout oui. Disons, c'est très délicat. On aimerait, nous, avoir des choix tranquilles. On aimerait que, disons, que les deux peuples puissent vivre en harmonie, tranquillement, qu'ils soient reconnus comme des peuples à part entière, autant l'un que l'autre, et puis qu'ils soient respectés dans leurs idées, leurs libertés, et puis que le peuple civil, disons, les peuples civils respectifs puissent vivre heureux, tranquillement. Mmh. Moi, c'est plutôt un petit truc un petit peu factuel, parce qu'on entend parler de crimes de guerre, on entend parler de terrorisme, et on ne sait pas trop où on en est. Donc je suis allée voir un petit peu à la Cour pénale internationale. Les définitions. Les définitions, voilà, pour partir sur des faits. Donc les définitions, j'ai regardé la définition du crime de guerre. Donc le crime de guerre, il y a ils sont classés en trois catégories. Donc les crimes commis contre les personnes et les biens protégés, donc c'est les civils, hein, les personnes protégées, hein. Les civils ou les gens qui ne participent pas ou plus au conflit. La deuxième catégorie, c'est le recours à certaines stratégies qui seraient trop destructrices, comme des armes extrêmement destructrices, comme empoisonner l'eau, voilà, des choses comme ça. Et aussi l'utilisation de certaines armes chimiques, bactériologiques. Et la troisième catégorie, c'est les crimes commis contre des personnes et des biens spécialement protégés, comme le personnel médical, le personnel humanitaire, voilà. Là, t'inquiète pas, pour ce qui est d'empoisonner l'eau, carrément, ils n'en distribuent plus d'eau. Voilà, ben ça fait partie. On est sûr que... Voilà, et pour la définition du terrorisme, elle est un petit peu plus compliquée, parce qu'il n'y a pas de consensus au niveau international. Donc... parce que un terroriste, il peut être vu à la fois comme un terroriste, mais il peut être vu aussi comme quelqu'un qui se bat pour la liberté. Et voilà. Donc c'est très compliqué, mais c'est pas très dire compliqué. Que c'est compliqué. Et c'est instrumentalisé, cette appellation de terroriste. Donc j'ai regardé la définition de l'ONU, qui ne fait pas consensus, mais bon, c'est celle de l'ONU, donc voilà, j'ai pris ça. Donc l'ONU considère qu'un acte terroriste, c'est tout acte destiné à tuer ou blesser grièvement un civil ou toute autre personne qui ne participe pas directement aux hostilités dans une situation de conflit armé,
lorsque, par sa nature ou par son contexte, cet acte vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale soit à accomplir, soit à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. Voilà. Donc comme ça, j'espère que vous pourrez vous faire vous-même une idée de ce à quoi on assiste. Alors Alain, voilà. Il y a quelque chose que tu développais tout à l'heure à la maison quand on préparait l'émission, c'est que tu disais le Hamas, de toute façon, quelque part, c'est l'enfant de Netanyahou. C'est-à-dire c'est Netanyahou qui l'a favorisé. Oui, c'est ce que j'ai lu, j'ai été surpris, vraiment surpris. Mais après, en stratégie, c'est des stratégies politiques. Hein, et au fond, il n'avait pas... Et lui, il a écarté, disons, tout le... Disons, le gouvernement palestinien qui existe quand même, même s'il n'est pas reconnu, qui l'autorité, existe, l'autorité palestinienne. Hein. Le Fatah, voilà. Hein. Donc il ne veut pas traiter avec ces gens, donc il reconnaît les pires. Alors c'est une stratégie disons les plus autoritaires. Quoi. C'est une stratégie des USA aussi, hein, parce que même au temps de Ariel Sharon, ça avait commencé en 2005, donc les USA voulaient reconnaître particulièrement le Hamas, parce que avec eux c'est simple, tu comprends, c'est au lieu d'être politique, ça devient une pensée, voilà, on pense à Dieu, tout ça, et comme ça on peut caser les gens dans les fous de Dieu, c'est facile. Mmh. Donc Netanyahou a fait ça... Et disons, je l'ai lu... Oui, depuis 2009. Et comme il a plus été au gouvernement seulement pendant un an depuis 2009, donc Netanyahou est au pouvoir depuis 2009 en Israël, jusqu'à aujourd'hui, 2023, avec une seule année sur cette période où il n'a pas été au pouvoir. Et tout ce temps-là, il a favorisé le Hamas. Et aujourd'hui, il nous dit que c'est des afro-terroristes. Mmh. Cherchez l'erreur. Voilà. Ouais. Voilà. Et tous les gens sur la planète sont d'accord. Enfin, pas tous les gens sur la planète d'ailleurs. Il faut peut-être mesurer ce que je dis, des bêtises là. Parce que donc c'est le camp occidental qui dit que c'est le Hamas et des terroristes. Parce que la Chine, la Russie, etc., ce ne sont pas du tout sur la même expertise. Les gens qui sont en Afrique, etc., ne sont pas sur la même expertise. Il n'y a que les Occidentaux, ce qu'on appelle les Occidentaux. Alors, on va passer au deuxième sujet. Celui-ci, on le sacrifie pas, ce sujet-là, mais on en a parlé, quoi. Hein, voilà. Le deuxième sujet, c'est Saint-Pierre. Il est plus proche de nous. Il est plus proche de nous. Et alors, Saint-Pierre, ce qui se passe à Saint-Pierre-de-Colombier, et hop, on est reparti, ça recommence. Alors, je ne sais pas, tu peux peut-être nous expliquer qu'est-ce que c'était la FMND ? Voilà, du coup, alors, le porteur de quoi s'agit-il ? C'est pour que tout le monde comprenne bien. Donc, c'est un projet qui est très important. C'est une église de 3500 places, une passerelle de 67 mètres de long et 7 mètres de large, une aire de dépose et de retournement des cars, des bâtiments d'accueil, un parvis et des accès. Tout ça sur 7 hectares et demi, et il y aura 1 hectare et demi de bétonisation. Bétonné. Voilà. Et tout ça, c'est porté par donc un groupement religieux, je ne sais pas comment le qualifier. Famille missionnaire Notre-Dame. Famille missionnaire de Notre-Dame. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce projet n'est pas approuvé par le pape ni par l'évêque local, et que ce groupement religieux a fait partie d'une enquête de la Miviludes, qui est enquête sur les sectes. Voilà, enquête sur les sectes, quand même. C'est pas rien, hein, parce que moi, je reçois des commentaires sur des vidéos qui ont été faites sur ce qui se passe en ce moment à Saint-Pierre. Et à chaque fois, quand tu lis les commentaires, il y a des gens qui disent « Bah, le pape, bah, finalement, on peut s'en passer du pape. Hein. » C'est-à-dire les gens qui sont pour les travaux, hein, qui sont pour la FMND, ils t'expliquent qu'on peut se passer. Puis les évêques, ils n'ont pas toujours raison. Hein. Enfin, tu vois, mais tout est comme ça, tout est à géométrie variable. Quoi. Ce qui est surprenant, c'est qu'ils ont déjà donc 7 hectares au moins. Quoi. Ouais, 7 hectares et demi. Donc c'est des gens, c'est une association, je pense que c'est une association. Non alors la FMND est en place depuis 1946 ou 47 sur Saint-Pierre, Saint-Pierre-de-Colombier, donc juste après-guerre. Mais déjà avant-guerre, il y avait déjà quelque chose. Hein, donc ce que je voulais dire, ils ont 7 hectares, donc ils ont déjà des terrains, et en plus, ils doivent avoir beaucoup de moyens, parce que quand même, pour faire construire tout ce que tu nous as dit, c'est pas qu'une église. Alors, on parle de chapelle, mais t'imagines c'est pas une pas, chapelle. T'imagines pas le nombre de maisons qui leur appartiennent à Saint-Pierre-de-Colombier. Il y a la moitié du village qui leur appartient. D'où arrive cet argent? Alors, donc effectivement, qui sont les donateurs? Il y a des vraies questions, il y a vraiment des histoires de gros sous derrière. Mmh. Et sur ce chantier, qui est quand même chiffré à plus de 18 millions d'euros, hein, si je ne m'abuse,
ben, normalement, ça va être des fonds, des donateurs qui vont donner ça. Donc, tu vas pouvoir mettre, tu sais, il y a les 66%. Alors, il y a 66% dans toutes les associations qui sont reconnues d'intérêt public. Mais est-ce que c'est reconnu? En fait, les 66%, mais tu en parleras peut-être dans la dette, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'un seul coup, ça tombe du ciel, les sous, ou, c'est, ah, ben, ou ils sont payés par quelqu'un? Pour l'État, des fois, on peut mettre, disons, la planche à billets en route, mais je ne sais pas si eux, peut-être que dans la sacristie future, il y aura des. Donc, ça veut dire que c'est avec nos impôts qu'on les paye, hein, quand même, qu'on paye les 66%. Donc, soyez contents, vous êtes en train de payer des travaux pour faire une basilique à Saint-Pierre-de-Colombier. Hein. Mais donc, leur mouvement est reconnu d'intérêt public, alors? Alors, l'association, enfin, leur mouvement est reconnu par l'État. Est reconnu par l'État. Alors, je ne sais pas sous quel label il est reconnu par l'État, mais il est reconnu par l'État. Alors, c'est vrai que le conflit a commencé déjà depuis un moment. Il y a eu, au départ, il y a un permis de construire qui a été abusif, vraiment, parce qu'il y a plein de choses qui n'étaient pas normales dans ce permis de construire. Entre autres, signé par le PNR, le parc régional des Monts d'Ardèche. Il y a des choses qui sont absolument pas normales dans ce qui a été signé. Et à la suite de, on va dire, de mouvements de foule, la préfète Solimane, en 2018, a demandé l'arrêt des travaux. Donc le permis a été accordé en 2018, pardon, et en 2018, En 2019, la préfète Solimane arrête les travaux. Alors les travaux s'arrêtent, bon, très bien, et puis normalement, il y a un groupe de travail qui se constitue. Ce groupe de travail qui se constitue devait être là pour faire une analyse réelle de qu'est-ce qui allait pas. Et entre autres, ce qui allait pas, c'est qu'il y avait l'habitat d'espèces protégées qui était démoli. Alors donc, il travaille, ce groupe de travail, pour définir tout ce que devrait observer une officine qui va faire une étude environnementale sur le lieu. Et donc, dans ces gens qui sont dans le groupe de travail, il y a le porteur de projet, la FMND, donc Famille Missionnaire Notre-Dame. Il y a la DDT, qui dépend du préfet de région et du préfet 07. Il y a le PNR, donc le Parc National de Région. Il y a la DREAL, qui dépend du ministère de la Transition écologique et cohésion du territoire. Donc tous ces gens-là sont dans le groupe de travail, mais pas l'association. Voilà. Mais l'association a quand même des informations sur ce qui se passe à l'intérieur du groupe de travail. D'accord, mais quand on parle de l'association, on parle de l'association qui est en train de lutter pour protéger ce association pour l'avenir de la vallée de la Bourge. Voilà. Disons, c'était curieux quand même qu'elle ne soit pas associée, parce que elle est quand même très active. Exactement, et puis c'est quelque part, c'est la vraie démocratie locale. Bien sûr. Mais si on fait une réunion, il faut réunir les deux parties. Voilà, sinon, on réunit tout le monde. Ouais. Et bon, il y a cette étude qui se fait, à la suite de cet arrêt des travaux qui a été fait par un arrêt préfectoral de la préfète Solimane. En octobre 2020. En 2020. Et puis, à un moment, il y a le préfet de Vimeux, un nouveau préfet qui remplace la préfète Solimane, qui arrive et qui lui prend un arrêté pour dire que les travaux peuvent reprendre parce qu'il a vu ce qui était à l'intérieur de cette étude qui avait été demandée à Naturalia. Alors, évidemment, l'association dit, mais oui, d'accord, vous avez vu l'étude, mais nous, on ne l'a pas vu. Donc, il demande à avoir accès à l'étude. L'autre, il a pris son arrêté pour que les travaux reprennent. Mmh. Et normalement, il y a 2 mois pour intervenir par rapport à l'arrêté de reprise des travaux. Et ben, les gens de l'association ont fini par avoir des extraits de l'étude. Des éléments, en fait. Des éléments de l'étude. 10 jours avant l'échéance. Oui. Donc c'est depuis le départ, il n'y a que des choses complètement anormales qui se sont passées. Et alors, dernier événement, donc finalement, l'association trouve une plante qui s'appelle Reseda jacquin, qui remet en question le fait que les travaux ont repris. Parce que c'est une espèce protégée. Parce que c'est une espèce. Et non seulement c'est une espèce protégée, mais son habitat est protégé aussi. Absolument. Et donc, pour détruire l'habitat d'une espèce protégée comme ça, il faut théoriquement avoir une autorisation spéciale qui démontre l'intérêt public majeur du projet.
Donc, normalement, il faut que ça se passe. C'est dans les textes, c'est le Conseil d'État, c'est dans la loi, c'est, etc. Mais non, ça fait rien. Qu'est-ce qui se passe? Donc, tu vas nous lire, Alain, ce qui s'est passé récemment, parce que la préfète actuelle, finalement, dit circuler, il n'y a rien à voir. Mmh. Et donc, après une réunion, il y a eu une réunion. Il y a eu une réunion, voilà. Donc, lettre ouverte à Madame la préfète de l'Ardèche. Madame la préfète, à la fin de notre rencontre ce jeudi dans votre bureau, en présence de Monsieur le directeur de la DDT, Madame la directrice adjointe de la DREAL et Madame la sous-préfète de l'Argentière, vous nous avez assuré revenir vers nous. À cette heure, nous n'avons reçu aucun signe de votre part. Vous avez également annulé la conférence de presse que vous aviez vous-même programmée jeudi 19 octobre, dans la foulée de vos rendez-vous avec les parties prenantes du dossier. Raison invoquée, votre besoin d'établir un plan d'action avec les services de l'État concernés. Et finalement, un communiqué de presse de Dérobade, publié vendredi 20 octobre, affirme que les éléments portés à votre connaissance ne modifient pas la situation, à savoir le chantier du complexe religieux peut reprendre. Que s'est-il passé, Madame la Préfète, entre 11h30, où nous avons quitté votre bureau, et ce communiqué de presse décevant, dans la mesure où il n'est pas à la hauteur ni du droit, ni de la science, ni des enjeux sur le terrain? Donc quand ils parlent du droit, de la science, etc., ils font référence, entre autres, à un cabinet scientifique qui s'est réuni là-dessus, qui a statué sur le fait que ça n'allait pas, sur le fait que le Conseil d'État a dit que ça ne marchait pas, enfin, etc., quoi. C'est-à-dire que là, on est dans un truc complètement farfelu, où plusieurs branches de l'État se contredisent. Voilà. Donc il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Et la préfète, normalement, n'aurait pas pu prendre cet arrêté-là, puisque théoriquement, ce sur quoi tu insistais, Amélie, c'est le fait que c'est le dossier dans son ensemble qui doit être considéré. Or, la famille missionnaire Notre-Dame, depuis le départ, essaie de partager le truc en petites tranches de saucisson. C'est ça, elle essaie de dire, non mais là on est en train de construire les bâtiments d'accueil, et là il n'y a pas de réséda de Jacquin, donc on peut déjà faire ça, et puis on verra après pour le reste, etc. Voilà. Mais ça, ce n'est pas possible. Le permis de construire est un permis de construire un et indivisible. Donc, quand il y a une interdiction, c'est surtout ou sur rien. Voilà. Alors, on a été déjà presque trop long dessus, oui, sur ce sujet, mais il faut quand même que je vous dise qu'il y a une plainte qui a été déposée par une association qui s'appelle l'ASPAS, donc Association de la protection des animaux sauvages. Ça s'est fait avec, évidemment, l'association pour l'avenir de la vallée de la Bourges. Et cette ASPAS qui porte cette plainte parce qu'il fallait que ce soit une association adéquate. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi, mais eux, ils ne pouvaient pas, en tant qu'association de la défense de la Bourges, porter cette plainte. Mais cette plainte demande une consignation pour être reçue de 15 000 euros. Alors pourquoi la consignation est si importante? Parce que normalement, une consignation dans le cas d'un dépôt de plainte comme ça, c'est 1 500 euros. Et là, c'est 15 000 euros. 10 fois plus, parce qu'il y a des entreprises en jeu, puisqu'il y a des grosses entreprises qui vont travailler sur le projet. Bon, enfin, je pense que dans d'autres cas de plainte, il y a aussi des grosses entreprises, et en général, ce n'est pas ces chiffres-là. Enfin, bon, voilà. Et donc, l'association a mis en place une cagnotte. Voilà. Parce qu'évidemment, l'association, aucune des deux associations qui a fait cette plainte, qui a déposé cette plainte, n'a cet argent. On a 15 000 euros. Et donc, alors, on pense que si on arrive à avoir à peu près 10 000 euros, il y aura moyen de moyenner pour arriver aux 15 000. Mais il faut arriver aux 10 000. Pour l'instant, on a quand même déjà bien avancé, on est à plus de 3 000, 3 500. Et on n'a que quelques jours pour donner ces sous. Hein. Jusqu'au 30 octobre. Jusqu'au 30 octobre. Et l'argent sera normalement rendu. Oui, voilà. C'est pas l'argent perdu. L'argent, c'est de l'argent gelé, c'est pas autre chose. Hein. Voilà. Et la plainte, c'est pour infraction à destruction d'habitat d'espèces protégées entre 2019 et 2020. Voilà. Alors, troisième sujet, la dette. La dette. Alain, j'espère qu'on n'a pas été trop long. Oh, écoute, on va essayer, on va voir. La dette. Alors, vous savez, souvent on entend parler de la dette de l'État. Tous les ministres nous en parlent. Et puis régulièrement, elle revient dans le sujet. On nous dit qu'elle est trop importante et qu'il va falloir la rembourser. Et quand on nous dit qu'il va falloir la rembourser, on nous le dit avec une mine déconfite, parce qu'on nous dit qu'il va falloir, disons, se serrer la ceinture et que c'est un peu... serrer la ceinture, bien entendu. Alors, cette dette, lorsque vous avez fait un crédit, je pense, un jour dans votre vie, vous savez que vous devez, oui, en effet, le rembourser, lorsqu'on est un particulier.
et vous allez avoir à rembourser le capital plus les intérêts. Mais quand c'est l'État, les choses sont quand même très différentes. Donc on va essayer de comprendre tout ça. En vrai, une chose qu'on fait rarement, c'est que les banques peuvent créer de la monnaie. Et qu'elles en créent, en fait, à partir de rien. Il suffit que quelqu'un vienne les voir, vous demandez un crédit, le banquier va analyser, votre solvabilité, voir surtout s'il peut faire de l'argent avec vous. Mais le fait, il ne va pas voir, disons, s'il a une réserve dans son coffre, il ne prête pas l'argent qu'il emprunte par l'épargne de la main droite, qui donne après de la main gauche. Ça ne fonctionne pas comme ça. Une banque est une institution financière qui a reçu du roi, donc ça remonte à la vieille date, le roi régalien de frapper monnaie. Les banques peuvent aussi bien sûr emprunter, elles le font tous les jours entre elles, mais ça ne se passe pas sur le marché des particuliers, ça se passe sur un autre marché. Alors je vais essayer de vous expliquer ce système monétaire en France. Il est construit en fait à deux niveaux. Alors oui, il faut imaginer le mont Olympe. Pour bien comprendre, en haut du mont Olympe, vous placez Zeus, le dieu des dieux. Et là, à la place de Zeus, vous virez Zeus et vous mettez la BCE, c'est-à-dire la Banque Centrale Européenne. En dessous, à l'étage inférieur, toujours sur le mont Olympe, vous avez les dieux grecs, qui sont les banques privées. C'est-à-dire, pour nous, Français, la BNP Paribas, la Société Générale, le Crédit Agricole et BPCE. La Banque de France, ça n'existe plus ? Alors, la Banque de France existe toujours, mais elle n'a plus, disons, ce statut de banque centrale. Et puis, en bas, dans la plaine autour du Mont Olympe, il reste le peuple, c'est-à-dire vous et moi. Voilà. Donc, nos deux acteurs du haut de la pyramide, la BCE et puis les banques, les échanges se font en monnaie de banque centrale. Cette monnaie, vous ne l'avez jamais vue. Vous ne verrez jamais cet argent. Cette monnaie n'arrive jamais dans l'économie réelle. Cette monnaie, elle circule dans le marché interbancaire pour réguler les opérations entre la BCE et les banques privées. Lorsque l'on dit que la BCE imprime des milliers de milliards d'euros, c'est de la monnaie de banque centrale. C'est pas de la monnaie que nous avons dans nos vies. C'est une simple écriture comptable. Cela ne coûte rien à la BCE. Si ce n'est le chauffage, le salaire du gars qui va faire, cette petite manipulation sur l'ordinateur. Cette création de monnaie banque centrale, elle va autoriser les dieux à l'étage inférieur, banque, de faire du crédit et de discuter avec le peuple, par exemple, pour du crédit. C'est-à-dire, si tu vas voir, ou si vous allez voir, disons, pour faire un crédit, il faut simplement qu'il y ait ces démarches qui soient faites auparavant. Lorsque la banque vous accorde un crédit, le banquier ne va pas voir dans son sous-sol, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc s'il a suffisamment d'argent à prêter, il raisonne en fonction de son intérêt financier, mon client est-il solvable, quel risque je prends et mon opération est-elle rentable. Alors ce qu'il faut retenir, et ça je vous l'ai dit aussi, c'est que le banquier ne prête pas de la main droite ce qu'il emprunte par l'épargne de la main gauche. Que la banque a ce pouvoir donc, de création de monnaie. Et ce qui est arrivé... Je te dis tout de suite, il nous reste très peu de temps. Okay, il reste 3 minutes. Il nous reste 30 secondes, donc il va falloir qu'on coupe ça en un épisode suivant. Donc, épisode suivant, je vous parlerai du traité de Maastricht, pour que vous arriviez à comprendre ce qui s'est passé au cours de l'histoire et pourquoi on a eu une dette, disons, importante. Parce qu'on a au moins 60% de nos dettes qui est par des intérêts. Et on verra comment les intérêts sont arrivés. Donc il faudra que tu nous fasses un petit résumé pour qu'on soit à nouveau dans tout ce que tu nous as dit là, pour la prochaine fois. Excuse-moi, Alain, j'ai pas été capable de gérer le temps comme il faut pour te laisser. C'est un peu long, en plus, c'est toujours un peu difficile parce que c'est un sujet un peu ardu. À bientôt, ciao. À bientôt, au revoir.